Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler, encore une fois, on va dire, critiquer le jeu. C'est pas une critique, mais c'est plutôt, on est mécontent. Alors là, il est 16h14, 31.5, j'avais déjà prévu de publier une vidéo pour 17h30, mais là, c'est abusé. En fait, ce jeu, par rapport à la version chinoise, ce qui me choque, c'est qu'ils ont publié, qu'ils ont partagé, qu'ils ont sorti énormément de portails en l'espace d'une semaine. Du coup, pour les free-to-play, on se retrouve avec, en l'espace d'une semaine, on se retrouve avec un portail Fumikage, Momo, All Might. Dans 5 jours, on va se retrouver avec un nouveau portail Stain Waizawa, plus leurs cartes. Et là, aujourd'hui, ils font quoi? Ils nous rajoutent un portail de cartes spécial All Might pour avoir sa carte de la tornade. Sa carte compétence active de la tornade. Wesh. Au moment, faut pas abuser. Du coup, là, je suis sur Twitter. On bascule sur leur page. Donc, et machin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, possible. C'est réellement pas possible. C'est réellement abusé le fait que. En l'espace de moins de 10 jours, ils nous rajoutent, enfin ils nous mettent autant de portails, que ce soit des portails de cartes ou des portails de personnages. C'est bon, déjà là, une petite maintenance, ils ont prévu une compensation, des récompenses, du coup, quoi, entre 100 à 300 Hero Coins. Ok, cool. Du coup, pour après-demain, le 2 juin, jusqu'au 15 juin, on a un portail spécial de cartes à part. Ces cartes-là, enfin, invocation des tickets spéciaux. Encore une fois, que je vous en avais déjà parlé auparavant sur la version chinoise. Le problème, c'est que les free-to-play n'ont rien du tout pour faire cette carte-là. Qui plus est, dans 5 jours, on va avoir, comme je l'ai dit en début de vidéo, un nouveau portail. Stain ou Aizawa. Aizawa, il va partir dans 4 jours. On est le 31, il part le 4. Le 4, si je dis pas de bêtises, le 4 juin. Et semaine prochaine, juste après, genre un jour ou 2 jours après, on aura quoi? L'event Bakugo qui va nous permettre de gagner pas plus de. Je vais sûrement abuser, mais pas plus de 500 gems. Enfin, plus de 500 Hero Coins, pas plus de cette quantité-là. L'événement va durer quoi? Une semaine. Du coup, il faut qu'ils tryhardent. Nouvelle saison PVP. Il faut qu'on tryharde aussi le PVP, surtout que le PVP n'est disponible qu'à deux horaires différents. Donc, imaginez farmer quoi, 4 heures par jour, ce qui fait 7 fois 4. 28 heures de farming en 28 heures. C'est pour vraiment les gros tryharders. Pour ceux, il n'y en a pas plus qui. En moins de 10 à 14 heures par semaine. Pour quelqu'un qui joue pour un player lambda. Et là, réellement, ils sont en train d'abuser. Ils sont en train de prendre la pire des tournures pour une version globale d'un jeu mobile, les amis. Réellement, regardez. Regardez, hein. J'allais sur. J'ai sur un commentaire d'un joueur français, d'un client joueur français, faut que je la retrouve. Et qui plus est, ils ont toujours pas réglé le problème de la stamina. Du coup, pour avoir le perso Aizawa, faut refiler 2 à 3 fois par jour pendant 3 à 4 jours. Il nous fait déjà entre 100 à 160 par jour, pendant 3 jours, ce qui revient à 560. Surtout qu'une multi, ça coûte 2500. Nice. Merci. Merci Crunchyroll. Alors, il est où le commentaire? On va aller sur la page FR. Ici. Et là, elle a été partagée. Il y a eu un message que je le retrouve. Que j'ai vu sur mon téléphone parce que j'ai préparé ça à la va-vite. Excusez-moi pour
ce petit problème. Juste là, un espagnol, je vais pas dire le truc. Voilà, exactement le même message qu'on a eu en français. Ok, pour avoir 100 billets. Déjà, une petite sur 100. Sur un portail comme ça. Ok. Du coup, le message en français, je crois qu'il a été supprimé par la page. Je suis pas sûr, parce que là, je ne le retrouve pas. Là, ça revient. Problème de stamina, député Saint-Forcade, ok. Ah oui, du coup, vous voulez juste tuer sur ce message, vous voulez juste tuer le jeu le plus rapidement possible en fait. C'est abusé. Du coup, le message. Le message. Bon. Je pense qu'il faut aller directement dans les toutes les réponses. Dans toutes les réponses, et normalement, on voit là. Et réellement, ce que j'ai vu, c'est un truc de fou. Regardez, là, un autre message. Le message que j'essaie de trouver, il a été supprimé. Hein. Je ne le trouve plus du tout, mais vraiment plus du tout. Au pire des cas, on peut le retrouver de cette manière-là. Attendez. Ouais, du coup, le message a été bien supprimé. Je suis allé vérifier sur la page. Et machin, il a été supprimé soit par celui qui a commenté, soit par la page. Et ce que j'ai vu, c'est comment dire, c'est flagrant. C'est vraiment c'est choquant à quel point ils se permettent d'enchaîner autant de portails en l'espace d'une semaine. Et je suis réellement déçu de leur système de publication de portails. Bon, là, il y a une petite maintenance qui va arriver dans les 2 prochains jours, enfin demain ou après-demain. Ils sont en train de détruire le jeu à une vitesse inimaginable. Je suis en train de me répéter depuis tout à l'heure. Et c'est parce que le jeu, il est incroyable. Mais le problème, la stamina, les Hero Coins et 6 portails en l'espace de 2 semaines. Qui est capable, en étant free-to-play, d'aller invoquer sur une compétence de carte active et d'enchaîner sur une compétence de carte, enfin un portail de carte de compétence passive qui à l'heure actuelle peut recharger sa stamina et faire ces deux choses à la fois, plus économiser pour le portail de Stein ou Aizawa. À l'heure actuelle, personne, ils sont en train de détruire le jeu. Et réellement, ils vont perdre la moitié des free to play. Surtout que, oh, je veux dire, hein, je pense que réellement, il n'y a pas plus de 20 joueurs, enfin 20% des joueurs qui sont pay to win sur le jeu. Réellement. De ce que j'ai vu, il y en a très très peu qui peuvent payer sur le jeu. Seules les personnes qui peuvent se payer et qui peuvent être dans le top up et se faire plaisir et jouer continuellement sur du long terme, sans Queen, Sitin, quelques autres youtubeurs, Sora et Macha, et quelques autres youtubeurs anglophones, américains et français. Bien joué, Crunchyroll. Fallait s'y attendre quand on voit que c'est Crunchyroll qui est derrière le développement du jeu global. Ils sont en train de nous rendre fous, réellement. Même si on les spam, je pense que réellement, ils vont rien changer. Réellement, j'attends encore 2 mois. Si d'ici 2 mois, il n'y a aucun changement, je pense que tout ce qui est Susucre, Lilian, Sofiane et tout le reste, ils vont arrêter, ils vont attendre patiemment au PFP, donc One Piece Patching Pass. Et réellement, il n'y aura plus rien à faire pour ce jeu. Si ils répondent pas à nos convictions, non, pas à nos convictions, mais à nos messages, à ce qu'on veut, aux suggestions qu'on propose pour l'amélioration du jeu, le jeu va vite mourir. Et réellement, c'est dommage. Je pense que pour ma part, je vais retourner sur la chinoise. Et enfin, je vais trahir la chinoise parce qu'ils sont plus généreux, ils sont plus cool, il y a moins de portails.
Il y a un portail tous les 15 jours. C'est plus abordable pour nous. Même si on lag et qu'on comprend pas trop la langue, on n'aura pas le choix. Sur ce, c'était tout. C'est juste pour vous dire mon petit coup de gueule sur le jeu. Je vous dis ciao et à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et encore, désolé pour cette vidéo à la va-vite, que j'ai dû rush parce que ça m'a un peu saoulé. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Ciao, ciao.